histoire commence dans un lycée de la région parisienne. Adolescent déménagement, j'avais perdu tous mes repères, enfermé sur moi-même. J'accumule les doutes, perturbé par une personne avec qui je partage les cours, le genre de fille courtisée par toute l'école. Moi voulant me faire remarquer, donc à faire des heures de colle. Les cours je les suis pas, j'étudie ton regard en plein échec scolaire. Tu sautes m'aider pour mes devoirs, les mois passent et je m'attache de plus en plus. Ma timidité est un problème que je n'ai toujours pas résolu. On est comme des meilleurs potes, un regard et on se comprend. Les bases d'un couple, à nous deux on les rassemble. C'est déjà la fin de l'année, t'es accepté à la fac. 300 km et moi je reste là avec mon bac. J'aurais dû te dire tout ce que je ressens, mais tout s'est enchaîné et je n'ai pas eu le temps. J'aurais dû te dire ce que je ressentais, à quel point. Chemin et je me demande ce que tu deviens. J'ai toujours le pendentif offert ce fameux matin. Les câlins interminables, on ne pouvait pas se quitter. Aujourd'hui, plus de nouvelles, le numéro est erroné. Alors je fais des recherches, j'ai grandi, je me sens prêt à t'avouer ce que mon cœur pendant longtemps a renfermé. Après je l'ai trouvé, t'es revenu dans la région. Une heure plus tard, je suis déjà au pied de ta maison. Au moment de sonner, je sens que je perds mon souffle. Souffrir ou sourire, dans quelques secondes, je n'ai plus de doute. C'est bien toi qui m'ouvre, accompagné de ton cher et tendre. Et dans tes bras, je suppose que c'est votre enfant. Totale désillusion, tu ne me reconnais pas. Alors je cherche une disquette pour m'échapper de là. Dans le passé, j'aurais dû te dire ce que je ressentais. Peut-être qu'aujourd'hui, nos destins seraient liés.